Tous les ans, Joker nous fait, autour de Bretagne, une belle course. Parce que tous les ans, vous amenez une équipe forte. Comment composez-vous votre équipe? Oui, c'est toujours une course comme ça. Il faut avoir quelques coureurs expériés. Et puis, pour les jeunes, c'est vraiment... Ce n'est pas une école, c'est une université pour devenir un grand coureur. Donc, chez nous, la philosophie, il faut faire un tour de Bretagne. Autrement, tu ne passes pas pro. C'est simple comme ça. Mais dans votre idée, c'est mettre des jeunes avec des coureurs plus expérimentés. Parce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien parce que les plus âgés, ils peuvent apprendre des jeunes les trucs de la course et aussi les tactiques et tout ça. Parce que comme chez nous, les jeunes, ils n'ont pas la même expérience que des jeunes en France ou en Belgique. Parce que ce n'est pas le même, comment tu dis, le milieu de la course n'est pas le même. Donc à 19-20 ans, ils ont toujours beaucoup à apprendre. Et avec les coureurs qui étaient avec nous quelques années ou qui ont 24-25 ans, c'est un bon mix. Mais votre capitaine n'est pas forcément votre leader. Non, chez nous, c'est presque jamais. Donc le leader et le capitaine, c'est deux choses différentes. Donc comme maintenant, le capitaine Wilson, il marche bien, mais je ne pense pas qu'il... Peut-être une étape, mais c'est lui qui gère les jeunes. Bon, mais je n'ai pas entendu le nom du leader. Non, c'est, je ne sais pas encore, mais normalement, Bugueux. Robinson Bugueux, il a fait, je pense que c'est la troisième fois qu'il fait Tour de Bretagne. Et déjà, il y a deux ans, il faisait trois à Lannion, donc il connaît la course. Il était à côté de Brain, qui est passé pro. Ouais. Donc et maintenant, c'est à son tour. Ouais. Mmh.